Bonjour, je m'appelle Jean Joly, je suis menuisier retraité et intrigué depuis longtemps par la construction de la pyramide de Khéops, notamment en ce qui concerne l'élévation de ces très gros blocs de granit de plusieurs dizaines de tonnes à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. La pyramide a été construite comme un millefeuille, avec une centaine de couches bien planes, parfaitement horizontales, d'une hauteur d'environ 1 mètre, sans doute uniquement en blocs de calcaire cubique d'environ 1 mètre de côté. Beaucoup pensent aujourd'hui que ces petits blocs ont été amenés par une rampe inclinée, interne à la pyramide, que l'on aménageait au fur et à mesure de la construction. Elle tournait à angle droit à chaque arête de la pyramide. C'est l'hypothèse de construction que l'architecte Jean-Pierre Houdin a popularisée en 2005. Mais au centre de la pyramide se trouvent les deux chambres funéraires. Leurs parois sont faites de blocs de granit et ceux des plafonds sont des poutres d'environ 8 mètres de long par 2 mètres de haut et presque 1 mètre d'épaisseur. Ils sont beaucoup trop gros pour passer les virages de la galerie interne. Alors comment les Égyptiens ont-ils pu élever ces blocs pesant de 25 à 70 tonnes, à une hauteur allant de 20 à presque 60 mètres au-dessus du sol? C'est quand même la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Voici une explication aussi simple que les moyens techniques de l'époque. Il suffit de faire monter tous les gros blocs au fur et à mesure que la pyramide se construit. Il est impératif pour cela de construire la pyramide par couches planes successives. Donc, dès que les Égyptiens ont rattrapé la hauteur de la roche sous-jacente par deux couches ou trois couches de calcaire, de petits blocs de calcaire, qu'ils ont amené à proximité de la pyramide tous les gros blocs de granit. Je dis bien tous les gros blocs, ici j'en ai rassemblé 186. Donc à ce moment-là, ils installent des rampes démontables. Voilà, qui leur permettent de monter les gros blocs un à un. Une première assise sur une deuxième assise. Voilà. Donc pour simplifier, moi j'ai regroupé tous mes blocs sur des plaquettes. Une fois que tous les blocs sont rassemblés sur la plus haute des assises de calcaire, on démonte les rangs, on termine cette assise de calcaire avec des petits blocs qui continuent à monter par la rampe interne. On recommence une autre assise de calcaire. Après quoi, on réinstalle les rangs. On recommence à passer tous les gros blocs de granit, un à un, sur cette nouvelle épaisseur. Donc, tous nos gros blocs sont à nouveau déplacés. On redémonte les rangs, on termine la couche de calcaire, et ainsi de suite, d'assise de calcaire en assise de calcaire, on passe les blocs d'un bord sur l'autre, et on les grimpe jusqu'à la hauteur
où ils sont employés. Alors, la prochaine utilisation de ces gros blocs de granit va être pour la chambre de la reine. Voilà, donc vous voyez ici la rampe interne qui permet de monter tous les petits blocs de calcaire qui construisent donc la majorité des plateformes. Voilà, au prochain temps de la manœuvre, nous allons rajouter une hauteur de 37 mètres pour gagner du temps, ce qui va nous amener au plancher de la chambre du roi. Donc à ce moment-là, nous aurons moins de blocs de granit, vu qu'une certaine quantité auront été consommées dans la construction de la chambre de la reine et également en partie dans la grande galerie. Il n'y a pas de mec qui portait comme ça. Hein. Non, surtout qu'on en rajoute 37 mètres de granit. Alors, amen. Bon, voilà, nous y sommes donc au niveau du plancher de la chambre du roi. Au fur et à mesure de l'élévation des couches de calcaire, les blocs de granit sont employés, ce qui est beaucoup plus facile, et la construction continue.